Voir la lumière du Bouddha au sommet d'or. Et se tenir en haut du mont Emei, la plus haute montagne sacrée de Chine. Des centaines de millions de bouddhistes en rêvent. Le mont Emei culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il est situé dans la province du Sichuan, près de la ville de Chengdu, sur les contreforts orientaux de l'Himalaya. Il faut 2 heures pour atteindre le sommet en voiture. Ou 2 jours si l'on fait le trajet à pied. Une grande affiche des gardes forestiers portant haut le rêve chinois tel qu'il est prôné par le Parti communiste est là pour accueillir les touristes. Prospérité et harmonie en sont les maîtres mots. Communisme et religion s'uniraient-ils sur ces sommets? Chaque année, des centaines de milliers de touristes passent la porte qui mène au sommet du mont Emei. Qu'est-ce qui rend le mont Emei si célèbre? D'après la légende, Bouddha aurait envoyé sur cette montagne son meilleur disciple indien, Samantabhadra. Mais pourquoi a-t-il choisi cette montagne? Connu en Chine sous le nom de Puxian, il serait arrivé ici à dos d'éléphant il y a 1400 ans. Le tout premier temple bouddhiste de Chine fut érigé sur le mont Emei. Aujourd'hui, le plus grand temple du pays s'étale au pied de la montagne, à Emeishan City. Une sorte de Vatican du bouddhisme chinois. L'ascension de la montagne sacrée débute au monastère d'Afo. Des laïcs y partagent la vie des moines. Zai Tao est l'un d'eux. Il s'occupe des relations publiques du mont Emei. Ces gravures sont assez connues. Elles illustrent l'histoire du mont Emei. Sous la dynastie Qing, plusieurs artistes ont rendu hommage à la montagne. Tang Zhongyue, par exemple, au XIXe siècle, a gravé ces 24 pierres qui ornent le mur du monastère d'Afo. Le mont Emei est un joyau du patrimoine naturel. Il abrite des espèces végétales et animales rares. Mais c'est aussi un trésor culturel. C'est l'une des montagnes sacrées de la Chine. On y brûle de l'encens depuis longtemps. Le mont Emei a aussi joué un rôle de premier plan dans la formation des moines et dans la diffusion du bouddhisme. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle la première montagne de Chine. Depuis quelques années, le gouvernement chinois soutient la renaissance du bouddhisme.
Pour les grandes fêtes bouddhiques, moines et laïcs se rassemblent au monastère d'Afo. La fête de Yulanpen est la fête des esprits affamés. Elle est particulièrement suivie. D'après la tradition bouddhique, les esprits affamés reviennent hanter leur famille. Pour les apaiser, on leur offre alors de la nourriture. On prie pour ne pas devenir aigri et pour vivre heureux. La Chine compte aujourd'hui une centaine de millions de bouddhistes. Ils sont tous en quête du paradis, ou plutôt de ce qu'ils nomment la terre pure. À la fin de la cérémonie du Yulanpen, on consomme les fruits touchés par l'esprit du Bouddha. Le monastère d'Afo abrite d'immenses statues des bodhisattvas, les disciples de Bouddha, dont ce Guanyin en bronze. Dafo héberge le siège de l'Association des bouddhistes de Chine ainsi que sa faculté. Seuls ceux qui y ont étudié peuvent devenir moines au Mont Emei. Man Lin est vice-président de la faculté. Il nous explique pourquoi Dafo est surnommé le pied du Mont Emei. Les pèlerinages au Mont Emei commencent sous la dynastie Qing. Au XVIIe siècle, le monastère d'Afo est le point de départ des pèlerinages des simples gens. Les pèlerins partent d'ici pour monter au sommet. Le sommet d'or est mon endroit préféré. La lumière du Bouddha est un phénomène très impressionnant. On ne voit que ses propres mouvements. Son propre reflet. On ne voit plus les autres. Réussirons-nous à voir la lumière du Bouddha? Le sommet d'or est à 2600 mètres d'altitude. Rares sont les pèlerins qui montent jusque-là.
Le bouddhisme enseigne que la vie est souffrance. Cette montagne sacrée en est sûrement le meilleur symbole. Il faut franchir un escalier interminable de 52 km de long avant d'arriver au sommet. Pas moins de 25 temples bouddhiques bordent le chemin, dont deux facilement accessibles depuis la route. Mais il n'y a pas si longtemps encore, le mont Emei en comptait 150. C'est de cette montagne que le bouddhisme s'est diffusé dans toute la Chine au VIe siècle. Longue vie à Mao Zedong, peut-on lire sur ce pilier. C'est un vestige de la révolution culturelle, pendant laquelle la plupart des temples du mont Emei ont été fermés ou détruits. Aujourd'hui, on compte de nouveau 400 moines vivant dans cette montagne. Ils vénèrent Pushyan, le bodhisattva qui protège ceux qui diffusent l'enseignement du Bouddha. Au temple Baoguo, Pushyan est représenté chevauchant un éléphant de porcelaine qui date de la fondation du temple au XVIIe siècle. Ces bas-reliefs datent également du XVIIe siècle. Ils dévoilent les dieux de la longévité. Yung Jie a étudié au monastère d'Afo. Il vit ici depuis quelques années. Les exercices de calligraphie participent de la méditation. Yung Jie reproduit les mêmes caractères à l'infini. « Suite et bon rêve », écrit-il sans répit. Son rêve à lui tient en quelques mots, nous dit-il. Il veut rendre les gens heureux. Commence généralement sa journée par une cérémonie d'intercession. Aujourd'hui, c'est à la demande de moines laïcs vivant à Hong Kong. Des nonnes de monastères voisins sont venues se joindre aux moines de Baoguo. Ce que j'aime le plus, ce sont les activités communes de l'étude, de la récitation des sutras et de l'adoration du Bouddha. Mais le mont Emei est merveilleux. On peut aussi vivre seul dans un temple et effectuer le même travail toute sa vie. Le bonheur naît de la paix intérieure. Yung Jie tient à nous montrer les cuisines du temple.
Tous les aliments qu'on y prépare proviennent de la montagne. Aujourd'hui, les moines mangeront des pousses de bambou et des concombres du mont Emei. Le temple fait aussi auberge, et les visiteurs s'y pressent. Il est situé à 500 mètres d'altitude. C'est le premier refuge pour les pèlerins venus du pays tout entier qui gravissent la montagne à pied. Nous sommes ici, au temple Baoguo. À gauche, un sentier permet de rejoindre le temple Fuhu, puis celui du tonnerre qui gronde. Ensuite, c'est le sanctuaire Chunyang, le temple Zongfeng et le pavillon du Pursan. Ici, le chemin se sépare en deux. À gauche, on monte vers la prairie Hongchung. À droite, ça mène au temple Wanyan. C'est le temple des pensées pures. Les deux chemins mènent à la prairie de Leidong. De là, le téléphérique conduit au sommet d'or. C'est la fin du chemin de pèlerinage. La forêt commence derrière le temple Baoguo. Dans cette région subtropicale, la température oscille autour de 30 degrés la majeure partie de l'année. Le pavillon Qingyin, le pavillon de la musique, est situé à 700 mètres d'altitude. Il est appelé ainsi à cause de ce ruisseau, dont le bruit évoque des pièces d'argent et de jade qui se brisent. C'est du moins ainsi que les pèlerins le percevaient autrefois. La forêt de la montagne sacrée abrite plus de 3000 espèces végétales. Selon les vieilles croyances chinoises, cette nature luxuriante exercerait une influence mystique sur les destinées humaines. Ces fougères géantes ont plus de 100 ans. L'arbre au mouchoir a été décrit pour la première fois en 1868 par un missionnaire français, le père David, qui l'a rapporté en Europe. Kamtoteka Akuminata est le nom savant de cet arbre du bonheur.
On en extrait la camptothécine, une molécule utilisée dans la lutte contre les cancers. La montagne sacrée semble avoir des vertus médicinales. On a recensé pas moins de 1600 plantes médicinales sur le mont Emei. Quelques 800 macaques du Tibet vivent à 900 mètres d'altitude. Ici, on les appelle les fils de la montagne. Le mont Emei est la plus grande réserve protégée de singes en Chine. Plus on monte, plus les hommes se font rares. À 1000 mètres d'altitude, nous rencontrons Yuan Shirong. Il cueille des champignons, des racines et des feuilles dans la forêt du mont Emei. Le ganoderme est un champignon aux vertus légendaires. Depuis des siècles, tous les Chinois, qu'ils soient jeunes ou vieux, paysans ou empereurs, sont grands consommateurs de plantes médicinales. Je suis né et j'ai grandi sur le mont Emei. J'aime cet endroit. Mon père et mon grand-père cueillaient déjà des champignons et des plantes médicinales pour les revendre. J'aime ce métier. Les gens m'apportent une ordonnance du médecin et je leur vends ce dont ils ont besoin. Certains anciens combattants viennent me voir et dès lors qu'ils prennent leurs médicaments, ils se sentent mieux. Est-ce une autre merveille de la montagne sacrée? Cette statue représente Sun Simiao, un grand savant surnommé le roi de la médecine. Il a vécu dans une grotte du mont Emei au 7e siècle. On prête à la montagne des vertus magiques. À une certaine époque, cette source a été exploitée à des fins commerciales. Le fabricant a même été fournisseur officiel de l'équipe chinoise des Jeux Olympiques de 1994. Bienvenue au temple de l'eau sacrée. Des analyses ont établi que cette eau était effectivement riche en minéraux. Mais son exploitation commerciale a cessé. Le transport était trop compliqué. «
La route n'est pas très loin et les touristes sont plus nombreux. Le sentier est émaillé de pancartes intitulées « Point de vue socialiste sur l'honneur et le déshonneur ». Elle glorifie l'amour de la patrie et le respect de la nature. Mais apparemment, tout le monde ne s'y conforme pas. Mesdames Wang et Xia sont préposées au ramassage des déchets des touristes. Elles travaillent pour l'Office de protection de la forêt du Mont Emei. Le Mont Emei est une zone très touristique. C'est normal et nous nous en réjouissons. Pour protéger la réserve naturelle, on a créé des sentiers qui permettent aux touristes de découvrir la nature. Mais de manière générale, il est interdit de pénétrer dans la forêt, de fumer ou de jeter des déchets dans la nature. L'Office de protection emploie 2000 gardes forestiers. Un pèlerin a allumé un feu dans ce bol alors que le règlement du parc l'interdit formellement. La forêt et les temples bouddhiques du Mont Emei sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Mais le joyau de la montagne, c'est lui, le grand Bouddha de Lejan. La ville de Lejan est à une trentaine de kilomètres de la montagne et de cette statue monumentale. Son regard embrasse le Mont Emei et les trois fleuves qui confluent à ses pieds. La zone est dangereuse, d'après les chroniqueurs de la dynastie Tang, et de nombreux navires s'y échouent. Au 8e siècle, les moines décident de tailler ce Bouddha géant dans la montagne pour protéger les marins. La réalisation de cette statue de 71 mètres de haut leur prendra 90 ans, mais ce sera le plus grand Bouddha de l'époque.
Au 8e siècle, le bouddhisme s'est déjà largement diffusé depuis l'Inde par la route de la soie. En Chine, il fusionne alors avec le confucianisme et le taoïsme et devient une religion populaire. Depuis 2005, le Parti communiste chinois garantit officiellement la liberté de culte. Mais il favorise le bouddhisme Chan. Ceux qui pratiquent un autre bouddhisme sont surveillés de près. Lorsque cet adepte du bouddhisme tibétain sort son moulin à prière, un garde entre dans le champ de la caméra et lui dit de déguerpir. En attendant que le Tibétain évacue les lieux, le garde poste un garçon pour empêcher notre équipe de filmer. Mais la plupart des visiteurs sont loin d'être des pèlerins qui se recueillent. Ils sont avant tout des touristes décomplexés. Le Bouddha de la montagne veille sur eux. D'après certains, Emei signifierait le gardien de la terre pure. À mi-chemin du parcours jusqu'au sommet, le silence règne de nouveau dans la montagne. Pushyan veille sur les lieux. On dit qu'au temple Vanyan, les pensées se purifient. Les pèlerins demandent à Pushyan d'exaucer leurs vœux et caressent son éléphant blanc censé porter bonheur. Cette statue date de l'an 950. Le temple Vanyan, c'est littéralement le temple de 10 000 ans. Il a été fondé en 399. Yuan Ming, son abbé, est tout jeune, mais il veille sur le trésor ancestral du temple. Le trésor du temple Vanyan, c'est une relique. C'est une dent du Bouddha Kassapa. Elle est originaire du Sri Lanka et a été apportée au mont Emei sous la dynastie Song, entre le 10e et le 13e siècle. Voici la racine de la dent, et voilà la surface en contact avec les aliments. Cette dent est fossilisée. Le Bouddha Kassapa est la troisième apparition du Bouddha à l'âge de Badakappa. Il a vécu avant le Bouddha historique. Son apparition est décrite en détail dans les livres saints. C'est un géant qui a vécu 20 000 ans.
Apparemment, nous sommes entrés dans un royaume de légende. À l'extérieur, d'invisibles grenouilles poussent de drôles de croassements. Les moines appellent cela la musique des fées. Tang Peng et Li Chunshan enseignent le kung-fu. Ils ont quitté Emeishan City pour venir s'entraîner au temple Vanyan, au plus près des origines de leur art. Le kung-fu Emei a été mis au point par un moine bouddhiste et un moine taoïste au XIIe siècle. Le style Emei s'inspire des animaux de la montagne sacrée. Les maîtres ont imité les comportements des animaux, leur style d'attaque et leur mode de vie, pour inventer de nouvelles techniques de combat. Il y a par exemple la technique du serpent, tout en souplesse, mais cela n'empêche pas la fermeté. Il y a aussi la technique du singe, tout est basé sur la vitesse. L'attaque, la défense, l'évitement. Ce style de kung-fu s'est diffusé dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est l'un des trois grands styles de combat chinois, avec le kung-fu Shaolin et le kung-fu Wudong. À 1500 mètres d'altitude, la forêt subtropicale cède la place aux conifères. Le mont Emei reste verdoyant. Des rhododendrons poussent à 2500 mètres d'altitude. Nous sommes tout près du sommet. Quand des nuages passent sous le sommet, nous dit-on, on a de bonnes chances de voir la fameuse lumière du Bouddha. Revoici Puxian. Cette statue monumentale mesure 48 mètres de haut. Le Bodhisattva chevauche 4 éléphants et dirige son regard vers les 4 points cardinaux, grâce à ses 10 têtes. De nouveau, les touristes affluent. Ils achètent de l'encens par poignée entière. Certains bâtons apportent la richesse, d'autres le bonheur ou une longue vie. Bouddha enseigne pourtant que toutes ses aspirations terrestres sont source de souffrance. Les pèlerins avancent en procession. Tous les 3 pas, ils s'allongent en signe d'humilité.
Quand le soleil brille et que les nuages approchent, des centaines de personnes attendent un signe du Bouddha. Ils attendent la lumière du Bouddha. Leur attente ne sera pas vaine. Durant quelques instants, un cercle de couleurs se forme. Les nuages renvoient le reflet des visiteurs dans l'arc-en-ciel. C'est l'image du moi dans la blancheur du ciel. Sur le plan physique, ce halo naît de la réflexion et de la réfraction de la lumière dans les cristaux de glace présents dans les nuages. Mais sur le plan spirituel, sur le mont Emei, la plus grande montagne sacrée de Chine, la lumière du Bouddha rapproche un peu plus les hommes de l'illumination.